Allez, je te bait. Voilà. Ça n'a pas marché. Fabuleux. Fabuleux. Ça n'a pas marché. Bon. C'était bien, mais c'était pas bien. Le jeu n'a pas été gentil, j'étais à une pièce de guppy. Oh, ça aurait été marrant de la finir celle-là. Oui, pas 3 heures, je peux encore faire une. Ça comptait pas. Ça comptait pas. Ça aurait été tellement bien avec Guppy. Mais elles sont belles, les musiques. Elles sont magnifiques. Ah, c'est marrant, n'empêche, les fantômes, c'est ultra relou. C'est des petits mobs à la con, mais c'est ultra, ultra relou. Déjà, ça met 20 ans à être tué, donc perte de temps. Mais en plus, ça te pop un peu n'importe où, tu sais pas où ça arrive. T'es en danger. Le jeu est pas sympa depuis quand Binding of Isaac est sympa. C'est vrai ça. Un pied accroché autour du cou. Ça a l'air bien, ça a l'air génial. Fabuleux. Ah, je le sens bien celui-là. Pour se tuer, c'est parfait. C'est parfait. Magnifique item. Ah, celui-là, c'est le bon, celui-là. Non, c'est pas le bon setup. Moi, j'entre dans des pièces et il y a des rochers qui explosent. C'est pas qu'il est pas sympa, c'est qu'il est méchant, c'est pas pareil. Ah, je crois qu'il fallait... Ah, ça y est. Ça y est. Alors, faut pas que je me tue. Faut pas que je me tue. On y croit. Je lance le timer. J'attends 2 secondes. Et on y va. Allez, le mob, tu me fonces pas dessus. J'ai tellement peur de me tuer. Ça c'était gratuit. Bonjour. Et il est immortel lui ou ça fait quand même 2 que j'avais l'impression de lui avoir bien mis dessus. Hein. Ok. On a 2 bombes. On n'a pas de kill. C'était bien, c'était très très bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je prends les paris combien de temps il va tenir. J'ai toujours pas un HP up, il va me falloir un HP up au bout d'un moment.
Ouais, là, je pense qu'il aurait fallu que je garde ma clé pour le magasin. Ouais, j'ai fait une erreur. Les bombes, on a dit, on s'en foutait. Tu veux pas me donner de la vie quelque part? C'est cool ça. Ça, c'est très très bien. Ah! Non, mais toutes ces choses intéressantes, je ne sais pas quoi prendre. Moi, je vais prendre le compas. Ou alors, je prends ça. Ah, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, mon Dieu. Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Vous voulez la stopwatch? J'ai hésité à prendre le full mapping. Ah là là, c'était pas par là. Charger mon item, c'est pas grave. Alors, vraisemblablement... Est-ce que j'ai eu raison de faire ça? On ne le saura pas. On ne le saura pas. Ça sent l'arnaque pas. Ouais, ça sent. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais faire un truc, non, je ne sais plus.
Ah là là, Curse of the Perdu. C'est le quad shot, c'est quelque chose. Alors, une autre clé. Ah, il y a rien. HP up, ça me fait un peu peur. Ouais, on le tente. Au secours, non, c'est bon. Donnez-moi une room facile que je recharge. Voilà.
On va dire vers le bas. Par là, hein, mais... ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque. Ça sentait l'arnaque. On est bien. Oui, ça peut être là. Et c'est là. Ah mince, j'ai viré le timer. Bon, c'est pas grave. Bon, sub 16. Sub 16, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'était bien cette run. Bon, c'était un peu la run du... au premier étage. Ou au deuxième étage, je sais plus. Non, premier étage, je crois. J'ai eu le compas, la stopwatch et Epic Fetus. Non, c'est au deuxième étage. C'est au deuxième étage. Premier étage, Epic Fetus. Deuxième étage, compas, stopwatch. Voilà. Sauf ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis sûr que j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Accorde des René Dev pour faire honneur à ta louve. Wow, vu que je suis... Ah, avant, je faisais des runs en win streak, mais les win streak, c'est plus très intéressant parce que si tu prends énormément ton temps...
tu galères, mais tu y arrives en général. Je trouve le fait d'aller vite vraiment beaucoup, beaucoup plus intéressant maintenant. Il aurait eu le sub 15 s'il ne s'était pas demandé aussi longtemps que prendre au marché noir. Ouais, non, la stopwatch, c'était bien. J'ai vraiment hésité avec le full mapping. Peut-être qu'un vrai gros joueur aurait plutôt pris le full mapping. Donc la map classique plus le compas. Mais moi, j'ai pris le compas plus la stopwatch. Mais bon, c'était beaucoup, beaucoup plus safe. It lives, faut tuer plein de fois le cœur de mob, je crois. Genre quand tu l'as tué un certain nombre de fois, ça le débloque. Non, une petite dernière, non, c'était bien là. C'était bien. On va rester sur cette run où j'ai l'impression d'être un peu PGM. Et puis voilà. Enfin, j'aurais bien aimé faire un sub 15. Le gars jamais content. Tu vois que tu progresses, Crane. Non, mais t'as vu les items que j'avais? Bien sûr, moi je te fais des scores de ouf si tu me donnes ces items là à chaque fois. Salut à tous, j'ai joué à Isaac à sa sortie. Qu'est-ce qu'elle apporte cette extension? Bah, elle est pas sortie encore. Il y a une liste de. Il y aura des nouvelles salles, des nouveaux. Beaucoup de nouveaux items, une centaine je crois. Il y aura plein de. Plein de choses. Mais c'est pas sorti. Donc on verra quand ce sera sorti. En tout cas, je reste. Voilà! Ah, ça fait du bien! Ça fait du bien de plus voir ce logo tout moche! Enfin! Go sub 15, Screen. Encore un essai pour tenter le sub 15? Non? Non, parce que moi, je suis uniquement capable de le faire quand il y a l'alignement des planètes. Et même quand les planètes sont alignées, il faut vraiment aussi qu'il y ait une intervention divine derrière. Ça demande beaucoup, beaucoup de paramètres qui ne se représente qu'une fois à deux fois dans une vie. Il progresse en grosse chance d'item, surtout c'est ça. C'était déjà arrivé de finir tes lives très tard, Crane? Je sais pas, il est 3h11. C'est quoi très tard pour toi? Il m'est arrivé une fois de finir à 13h, mais j'avais des circonstances atténuantes. On était sur un run de folie sur End of Fate, et il se terminait pas. Et on jouait le classement et tout. Ah, il veut dire qu'il a joué à la première version d'Isaac et se demande ce qu'apporte l'édition Rebirth. J'ai pas joué à la première version d'Isaac, je l'ai acheté, 1€ et quelques, et je l'ai testé, je me suis dit, oula, c'est pas du tout pour moi, j'ai pas trop accroché le feeling, j'ai pas trop eu le feeling avec. Du coup, je serais incapable de te dire qu'est-ce que celui-là a de plus par rapport à l'autre. Tout ce que je sais, c'est que celui-là, il me procure beaucoup de sensations agréables quand je joue. Et de frustration aussi, bien sûr. Et je sais pas, il a l'air plus brut, le premier. Celui-là a l'air mieux fini, mais peut-être que je dis des bêtises. Quand le God Platinum arrive, c'est que les planètes sont alignées, non? Comment ça? Ah oui, là, d'avoir trouvé les deux derniers items qui me manquaient. Oh, depuis le temps qu'il me les manquait, en plus. Et puis, ça me saoulait parce que... Je me disais, ça se trouve, je peux faire encore un million de God Room sans jamais le trouver, ou de Secret Room pour le Missing Lambda. Et du coup, je me disais, ce serait con que l'extension sorte et que j'ai toujours pas le Real Platinum God. Donc voilà, je suis content. Tu penses quoi de Blade and Soul? Tu attestes? J'ai un peu joué et il est sympa. La prise en main au départ est agréable, il y a plein de petits effets plutôt cool. Mais très rapidement, tu tombes dans une logique de quête assez chiante où tu dois faire des allers-retours point A, point B, point A, point B. Moi, ça m'a saoulé, ça m'a pas donné envie de continuer. Hier, tu pensais que c'était impossible de faire sub 20. Non, mais pas dans cette configuration-là. J'en ai déjà fait plusieurs des sub 20, hein, c'est pas la première fois. Mais voilà, il faut des items, il faut Epic Fetus ou des trucs comme ça, quoi. Epic Fetus, c'est. Je trouve que c'est l'item cheat. Si on enlève le combo. Comment ça s'appelle?
Magic Finger Ipecac. Après, je pense que maintenant que j'ai mon Real Platinum God legit, je pense que je mettrai la sauvegarde de Tears of Legend ou je sais pas quoi pour avoir les 999 pièces à chaque fois. Parce que je me vois pas renflouer la machine. Et comme ça, à chaque fois que je fais des trials, j'aurai une sauvegarde. Une sauvegarde pratique. Le premier codé en Java, le deuxième en C, tout est dit. Mais oui, ça parle énormément. Énormément, tout le monde voit exactement ce que tu veux dire. Le premier marche parfaitement avec manette. Non, il est pas, la manette n'est pas prise en compte directement. Il faut le Joy to Key ou des trucs comme ça. Il n'y a pas le support de la manette directement sur le jeu. Mais après, une fois que tu configures ton Joy to Key, ça, oui, ça fonctionne bien. Non, il est vraiment très très chouette. Hein. Faut savoir que ça, c'est pas du tout mon style de jeu. Hein. Je joue absolument jamais à ce genre de jeu. C'est pas mon truc. Des ennemis qui me foncent dessus, qui me tirent dessus, moi qui dois les éliminer en faisant attention à mon positionnement, c'est vraiment aux antipodes des jeux auxquels je joue habituellement. Mais celui-là, il est hautement addictif parce qu'il y a tout un côté tactique qui est vraiment très très plaisant de savoir quel choix tu fais pour tes items, est-ce que ça c'est une bonne idée ou non, etc. Ah, puis j'oublie un détail aussi sur la run cheatée. J'ai sauté un étage, hein, accessoirement. Donc, vas-y, recoup de moule. Recoup de moule. Ah. Le premier est en Flash, pas Java, et parle pas mal de Java, nous dit Pomoa. Qui sort les griffes? Qui sort les griffes? Ah, mais il y a une version non Flash du premier. En fait, Crane avec Epic Fetus, c'est soit Epic Fail, soit Epic Win. C'est ça. C'est ça. Après, Epic Fetus avec Judas, ça te laisse pas masse d'erreurs. Hein. Epic Fetus avec Isaac, là tout de suite, t'as un peu plus de marge. Mais tu fais moins mal. Enfin, voilà. Bon bah je suis content, on a fini, c'était une bonne soirée, on a fini la saison d'aventure, j'ai débloqué le Real Platinum God, j'ai fait des temps corrects avec des runs plutôt sympas. Ça va, c'était une bonne soirée.